Sont terminés, Votre Altesse. Parfait. Bon, ça va, Brett. Tu crois pas qu'on a assez pris d'échantillons? Il n'y a plus rien qui peut nous servir ici. Patience, ma vaniteuse amie. Déterminer la composition géologique des planètes est un processus lent, mais qui s'avère très payant au bout du compte. De même que regarder Star Intergalactique, et ça commence dans moins d'une heure. T'as raison, il n'y a rien ici. Merci. Tu voulais nous transformer en crème brûlée? Ouais, mais je l'ai pas fait. Bon, allez, on s'en va de ce caillou. J'ai testé toute une série de sauts et c'était le dernier, celui-là. J'ai encore des prélèvements à faire. Je vais te dire ce que j'en pense. Mon père aurait dû t'envoyer sur une vraie planète. Quelque part où t'aurais pu mettre en valeur tes capacités intellectuelles et ton génie scientifique. Parfaitement. D'ailleurs, on va retourner au Hornet et je vais discuter de tous ces détails avec le principal. Ah, t'es trop fort. T'es sûr que c'est le bon chemin, Josh? Tout se ressemble ici. Je pense que nous sommes perdus. Oh. Eh ben, j'espère pas, parce qu'avec la façon de conduire de Josh, on a tout cassé notre système de navigation. Et on va bientôt tomber en panne de carburant. Pas de panique, je sais exactement où on est. Et alors, où est-ce qu'on est exactement? Bah, c'est simple, hein. On est près de ce gros rocher, de cette crevasse poussiéreuse. Oh, on est sauvés! J'espère qu'ils ont de la musique qui bouge. Waouh, sympa le bolide. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la grande parade, ma chère, vous n'êtes pas au courant? Ici la Terre, il faut qu'on rentre, Kiko. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette parade? J'adore ce genre de spectacle. Mais c'est la grande parade de Miss Cosmo, chérie. Les extraterrestres de toute la galaxie sont venus concourir. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, hein? On se ramène la galaxie. Mais je... Mais il a... Rien du tout, mon père va être énervé. En plus, les parades, c'est complètement bidon. C'est basé sur l'apparence, et l'apparence a aucune importance. Oh, bah réflexion faite, on pourrait peut-être rester un peu plus longtemps. Josh, il faut y aller maintenant. Kiko! C'est le principal Kirkpatrick! Josh, fais bouger le C6! Fluffy, prends des cailloux, croque-les et souffle la poussière. Fais comme s'il y avait une tempête de poussière d'étoiles. Et une tempête de poussière d'étoiles pour madame. Mes échantillons de rochers. Où êtes-vous? Votre équipe devrait être rentrée depuis longtemps. Désolé, nous sommes pris dans une tempête de poussière d'étoiles, monsieur. Nous devrions être de retour dans quelques heures, monsieur. Désolé pour le retard. Je vous envoie une équipe de secours. Non, c'est inutile, monsieur. Nous n'avons pas besoin d'aide. C'est absolument pas professionnel. Nous devons rapporter ces échantillons à Monsieur Kirkpatrick. Le principal peut attendre. Nous allons rester pour la parade. Moi, je propose qu'on fasse un vote. Si tu crois que ça ira mieux quand t'auras perdu. Ceux qui veulent s'en aller, lèvent la main. Et maintenant, ceux qui veulent rester... En route, on a une parade qui nous attend.
excitant. Être la gagnante du concours peut faire avancer ma carrière. Toutes les concurrentes pour la grande parade de Miss Cosmos doivent se présenter immédiatement en coulisses. Oh, oh, on m'appelle. On se retrouve plus tard. Parfait, je vais rester dans le CC jusqu'à ce que cette non-mission non-officielle tourne au fiasco et qu'on en soit débarrassé. Bienvenue à la grande parade de Miss Cosmos. Les règles sont très simples, chaque concurrente va devoir faire la démonstration de sa beauté, de son intelligence, de ses talents et de sa forme physique. Oh, quelle coïncidence extraordinaire! Ce sont précisément mes principales qualités. J'en ai rien à faire. Pensez-vous, mesdemoiselles, ça ne va bientôt plus être un rêve. À la fin de cette soirée, l'une d'entre vous deviendra pour l'univers tout entier Miss Cosmos. Maintenant, tenez-vous prête, le concours va bientôt commencer. Tout cela manque cruellement d'élégance. Bienvenue dans le monde des parrains, jeune fille. Oh, enchantée, je suis Kiko. Eh bien, Kiko, juste un petit conseil. Ces filles ne reculeront devant rien pour gagner. Fais attention à toi. Oh, merci pour le conseil, mais je pense que je suis de taille à affronter les meilleures d'entre elles. J'espère, à tout à l'heure alors. Il faut que je trouve un endroit pour brancher mes huit fers à friser sans griller un fusible. C'est parfait. Ah. Oh, c'est dégoûtant. Bienvenue. Attrapez-la. Un jour, Josh et Kiko vont prendre conscience qu'il y a autre chose dans la vie que la quête sans fin du plaisir. Oh, je me fais des illusions, ils prendront jamais conscience de ça. Oh. Qu'est-ce que c'est? Là où il y a de la bave d'extraterrestres, il y a généralement des ennuis. Le châssis gravitron est ce qui se fait de mieux. Les magnétos synchronisés au générateur de recul pour... Pour accroître la vitesse de l'overdrive. Mmh, c'est génial. Ouais, c'est génial. Regarde comme ils sont mignons. Ils partagent leur huile moteur. Josh, il se passe vraiment quelque chose de bizarre là-bas. Ouais, ouais, sans blague. Écoute, tu vas voir ce que c'est et tu reviens m'en parler. Je te promets que je raconte pas d'histoire, Fluffy. D'accord, je vais mener mon enquête tout seul. Kiko, je suis contente de tomber sur toi. Moi aussi, je suis contente de tomber sur toi. Il faut que je fasse l'ourlet de cette robe avant que le concours de la robe gamma ne commence. Attends, écoute-moi, on verra ça plus tard, il y a un problème. Toutes les concurrentes doivent se présenter pour le concours. J'arrive tout de suite. Reste comme ça jusqu'à ce que je revienne. Ne s'en faites pas, charmante, que notre grand concours commence. Kiko, de la planète Terre. Et 3, et 2, et 1. Je suis la reine du karaoké, une vraie machine à succès. Je suis une superstar qui éblouit les regards dans ce rêve couleur d'arc-en-ciel. Embarqué avec Kiko, qui va... Oh, bravo, bravo, excellent. Mesdames et messieurs, mais malheureusement, certaines de nos concurrentes vont nous abandonner en chambre. Son compte truc était légèrement faux. La danseuse de Cancan qui leur retourne au moulin rose. Oh,
vous êtes sûr que ça va pour elle? Tout va très bien, mais si j'étais vous, je me concentrerais sur les épreuves suivantes. Vous êtes la favorite. Non, c'est vrai? Oh, j'aime pas qu'on se fasse finir comme ça. Josh, tu me reçois? Tu sais, j'ai jamais rencontré une fille qui était aussi forte dans la mise au point des machines. J'ai jamais rencontré un garçon qui appréciait une fille aux mains pleines de cambouis. Si tu veux bien m'excuser une petite seconde. Ouais, c'est toi, Brett? Oui, c'est... Parade, c'est... enlevé. Ça se présente vraiment très mal. C'est... Allô, Brett, tu me reçois? Brett, tu me reçois? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'ai mon ami, mais c'est parce qu'il il est... Il faut que tu ailles voir ce que fait ton ami. Voilà, c'est ça. Allez, viens, copain. Brett, t'es où? Il me faut ma robe gamma. Les concurrentes doivent toutes se présenter pour le concours de la robe gamma. Oh, il me faut une robe tout de suite. Kiko. Encore une petite fois là. Kiko. Le public la déteste. Elle est grillée. Kiko. Sont les deux potes qui vont entrer en lice. Oh, oh, c'est pas possible. Il en reste deux en lice, mais il n'y en a qu'une qui sera Miss Cosmos. Le moment est venu de passer à l'épreuve finale, la bataille royale. Hein? Mais je croyais que le concours avait pour but de montrer nos talents d'artiste, pas de combattante. Non, vos talents de combattante aussi. J'adore ta coiffure, c'est vachement joli. Mais l'ombre à paupières bleues là, c'est un peu trop. Vas-y, espèce de cyclope au rabais, montre ce que tu sais faire. Et on fait une ovation à Kiko, Miss Cosmos. Merci pour vos encouragements. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. C'est l'heure d'aller chercher votre prix. Je me suis toujours demandé ce que les vainqueurs de ces concours gagnaient en plus d'une couronne et d'un trophée. Bah ouais, c'est un contrat de top modèle. Parce que moi j'adore voyager, ou peut-être un rôle au cinéma. C'est ça? Parce que s'il s'agit d'un film, il va me falloir une caravane privée et mon cuisinier personnel. Je veux avant tout préserver ma vie privée. Je ne supporte pas les paparazzis. Préparez-vous, vous êtes sur le point de recevoir le plus grand honneur qui puisse être. Kiko, je vous présente la reine Gastéropodus. Aïe. Josh. Kiko. C'est un moyen pour trouver les plus doués, les plus athlétiques, les plus belles filles de la galaxie. Et maintenant, vous allez avoir l'honneur d'offrir vos merveilleux attributs à notre reine. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de bafouiller, vous, là, mais quelqu'un a intérêt à m'expliquer pourquoi les concurrentes sont enfermées là-dedans. Ces idiotes sont allés au rendez-vous avec leur destin. Excepté le mignon petit bout de chou. Que vous traitez de bout de chou, Brett? Est-ce que vous avez la moindre idée du niveau de mon cul? Fais-moi sortir de là, Kiko! Maintenant, ça suffit! Je n'ai jamais gagné un concours aussi peu professionnel! Moi et mes amis, nous allons partir d'ici sur le champ! Aïe! Hé! Laissez-moi tranquille, espèce de boule gluante! Désactivez la cage laser! Kiko! Attention! Oh, toute cette poussée et ce talent! Il est grand temps de distribuer cette richesse! Kiko! Oh! Regarde
croyez-moi, je suis la plus belle dame, la plus belle créature de l'univers. Organisez la prochaine parade immédiatement. Je veux encore plus de beauté, plus de talent, plus de finesse, plus de kiko. Qu'est-ce que vous m'avez fait? On trouve même pas de maquillage pour ce genre de look. Je t'écoute, Brett, tu me reçois? Quoi? On a intérêt vite à mener cette nourriture à la reine avant qu'elle nous mange. Comme je suis belle. Ma nourriture! Le repas, vite, dépêchez-vous, le repas! Vous n'avez pas intérêt à afficher en l'air le régime que j'ai délicatement élaboré en avalant cette cochonnerie. Quand je vais sortir de là, vous allez en baver. Je veux que tu te faufiles jusqu'au panneau de contrôle et que tu désactives la cage laser, ok, copain? Désolé d'interrompre votre repas, si on peut appeler ça un repas. Mais j'ai une reine de beauté à délivrer. Mode ultra flash! T'as besoin d'aide? En fait, ce serait plutôt toi, non? Parce que t'es un peu vert. Elle m'a pris toute ma technique et toute ma beauté. Pendant qu'elle y est, elle a qu'à prendre aussi mon nom. Kiko! C'est toi? Oh, c'est vraiment mon pire cauchemar. Mais t'as toujours ta personnalité de battante. Tu le penses vraiment? Ah oui, évidemment. Kiko, t'es pas uniquement un joli visage, hein? Allez vite, fais sortir tout le monde d'ici! Dépêchez-vous, les filles! On se voit! J'en sais rien. On va attirer ses gardes à l'écart et on va revenir discrètement la chercher. Ils nous ont rattrapés, ça y est. Tu rigoles, c'est des limaces. Ouais, des limaces rapides. Coupe tous les circuits et bouge pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Reste là, je retourne chercher Kiko. Oh non, j'ai plus de munitions. Hey, t'as pas une idée géniale, copain? J'ai oublié de te parler du canot à filet que j'ai installé. Waouh, de plus en plus fort. Je croyais t'avoir dit de pas bouger. Ouais, mais je veux t'aider à retrouver Kiko. Vous venez de la retrouver. Grâce à la beauté de Kiko, à son intelligence et à ses prouesses athlétiques, je suis désormais la reine la plus belle, la plus grandiose de tout l'univers. Achevez-les. C'est nettement plus lourd que ça en a l'air. Très bien, alors je vais le faire moi-même. Quelque chose me dit que ça va pas être joli joli. L'heure est venue pour vous de me rendre mon aspect normal. Vous allez adorer votre nouveau royaume et il sera plus petit, plus facile à diriger. Ce sera une cellule de 2 mètres sur 2 pour être exact. Je trouve que ton nouveau look commence à vraiment être intéressant. Ou alors c'est parce que je vois pas assez de films d'horreur. Brett, vite, aide-moi à mettre la reine dans la machine à transfert avant qu'il soit trop tard. Josh, j'étais en train de me demander, Tu pourrais peut-être me donner ton numéro? Ah bah justement, j'allais poser la même question.
Oh, il y a encore une petite chose. Ma famille est vraiment importante pour moi. Tu veux bien la rencontrer, disons par exemple, maintenant? Vous voulez donc sortir avec ma fille? Touche pas à ma sœurette, mon pote! Vous avez l'air d'un jeune homme charmant! Votre attention, s'il vous plaît. On vient de trouver un ultra fan à la cafétéria. Son propriétaire a prié de se présenter chez le principal immédiatement. Je suis contente d'être là. J'aurais jamais pensé m'entendre dire ça, mais je jure solennellement que je ne participerai plus jamais à une parade de toute ma vie. Jeunes gens, veuillez noter que les préparatifs pour la grande parade de l'été de Galaxy viennent de commencer. Tout élève intéressé en tant que concurrent ou bénévole doit se renseigner auprès de Madame Schwager. Non merci. Non merci.